Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. Troisième épisode de la mise à jour 2.0. Alors, j'ai pris le parti de vous faire plusieurs petites vidéos plutôt qu'une énorme avec tout. Donc, la première était sur l'île de Joe où j'ai débloqué tous les commerçants et je suis allé les voir et je regardais ce qu'ils proposaient. Ensuite, la deuxième, c'était plutôt sur les applis. Elle était assez courte, sur les nouvelles applis qu'on peut télécharger, etc. Et là, la troisième, ça va être pour débloquer Joe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, vous avez un radiocassette, un cassettophone, ils appellent ça, pour faire de l'aérobic en groupe. Donc voilà, donc je pense que si on le met en marche, ça y est, le coach arrive et tout le monde se met à faire de l'aérobic. Alors, pour débloquer Joe, la première des choses à faire, en fait, c'est d'aller au musée. Et c'est assez surprenant, mais on voit que le café, bah, il n'est pas ouvert. Donc, on va parler à Thibaut. On va voir ce qu'il nous dit. Bonsoir Oli, bienvenue dans le musée d'Osnay. Ah oui, je viens de me rappeler quelque chose dans... Il me fallait t'entretenir, j'ai décidé d'imprimer une série de posters afin de dignement célébrer l'achèvement de nos collections. J'entends ainsi exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont participé à la croissance de ce musée. Imagine toute une aile de ce somptueux havre de science et de culture saisie en une seule image. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de l'imaginer puisqu'il se trouve que j'en ai quelques-uns pour toi. Alors, ok. Bon alors, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc c'est encore une nouveauté auquel on ne s'attendait pas. On peut acheter des posters. Donc en fait, j'étais déjà allé le voir. Postel d'œuvre d'art. Alors, fais voir le poster d'œuvre d'art. Ça nous fera un marché conclu. Top là. Bon, écoutez, on verra après ce que ça donne. Donc en fait, j'étais allé le voir. J'espérais qu'il me redise la même chose. Il me dit qu'en fait, il a pensé à quelque chose pour faire venir les gens au musée. C'est un café. Il connaît un gars qui avait un café qui s'appelait Robusto il y a longtemps. Et du coup, il me charge en fait d'aller le chercher. Donc il me dit que Joe, non pas Joe, n'importe quoi, ça c'était la vidéo numéro 1. Robusto est fan des gyroïdes, qu'il est en train d'en chercher et qu'il faut que j'aille sur des îles en fait où il y a des gyroïdes à la recherche de Robusto. Donc je pense qu'il faut aller voir. Alors je pense que c'est Amiral. Oh là là, quel bordel cette île. Heureusement j'ai agrandi mon espace. Du coup je vais pouvoir. Hop là. Du coup je vais pouvoir un peu faire le ménage. Donc le ponton, il est là. Et Amiral, c'est ça. Donc il me propose de faire un tour. Donc c'est 1000 miles. Je ne sais pas si on peut en faire plusieurs par jour, mais je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est qu'un seul. Donc là, ça y est, j'ai payé avec mon téléphone. Il est plutôt moderne malgré son petit bateau pourri. Et puis, on va aller chercher une île. Alors, c'est un peu le même style que les îles mystères qu'on va voir en avion, sauf qu'on peut tomber sur des îles avec une autre hémisphère, avec comment dire, la nuit alors que chez nous c'est le jour ou l'inverse, de la végétation qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, j'ai déjà fait une île où en fait j'ai vu il y avait beaucoup de fleurs. Après, il n'y avait rien de spécial. J'ai trouvé un gyroïde. Donc, je pensais qu'on pouvait trouver des gyroïdes sur notre île, mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Et on peut trouver des gyroïdes uniquement sur ce type d'île. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, c'est assez marrant quand on le voit là sur le bateau. Vous avez vu le petit dessin de sa tête, de la tête d'amiral là, qu'on voit entre les deux personnages. Et aussi, je me suis rendu compte bah, que vraisemblablement, je n'avais pas de doigts de pied. Mon personnage n'a pas de doigts de pied parce qu'on voit qu'il n'a pas de chaussures, mais tout est plat. C'est assez marrant, je me suis fait la réflexion tout à l'heure en utilisant le bateau. Ça apporte, voilà, un petit truc en plus cette île. C'est vrai que cette mise à jour 2.0, moi je la trouve complètement énorme. Allez, il nous attend là, on va aller faire un tour. Ah, il y a quelqu'un, et ben voilà, c'est Robusto, donc on n'aura pas eu beaucoup, pardon, à le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire?
Brou, toi aussi tu cherches des gyroïdes. Allez, on va lui dire ça. Robusto, Brou, il est en face de toi. Puis-je savoir ce que tu me veux? Thibaut m'a chargé de. Donc là, je raconte l'histoire. Je vois, entendu. Si tu veux bien lui dire ça de ma part. Oh, et j'allais oublier. Ok, super. Alors, il me donne un gyroïde. Si ça t'intéresse, je te donne un fragment de gyroïde. Plante-le dans le sol, arrose-le et le lendemain, un magnifique spécimen aura poussé. Les gyroïdes prennent rapidement racine une fois qu'ils sont à nouveau en terre. Ok. Et sur ce, à la revoyure. Bon, bah, on va regarder rapidement si on trouve d'autres gyroïdes. Alors, ouais, il y a des îles où en fait, il y a voilà, les petites haies. Il y a également pas mal de fleurs. Il y a des fruits. Bon, les cerises, je crois que c'est mon fruit. Il y a des noix de coco. Il y a les rochers. Il y a rien de ouf en fait par rapport aux autres îles. On va aller piquer quelques noix de coco. Ça nous fera toujours ça de plus en clochette. Surtout que cette mise à jour coûte quand même pas mal de clochettes. Je sais pas si tu as vu ma première vidéo. Pour débloquer en fait tous les commerçants, il faudra 100 000 pièces, 100 000 clochettes par commerçant. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on fait ça. Ensuite, on va retourner sur l'île et on va voir ce que il va nous dire. Alors, allez, c'est reparti. Donc, merde, j'ai raté le ponton. Donc, pas d'autres gyroïdes. Allez, on rentre. Je vais rentrer. N'oublie pas, ce que tu laisses ici, c'est pour les poissons. Bon, allez, on va retourner à Osmae et on va voir ce que ça donne. Donc, j'en profite pour te dire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo, ou même si tu ne l'as pas aimé, tu m'expliques pourquoi, ça me permettra de m'améliorer. Et puis, bah, voilà, tu peux lâcher un petit pouce bleu, tu peux. Voilà, ça me fera en tous les cas super plaisir. N'hésite pas à la partager également si tu trouves ça intéressant. Donc voilà, je fais un peu de let's play. J'avais plutôt l'habitude de faire des vidéos informatives sur Animal Crossing. Là, je me lance un peu dans le let's play et va suivre forcément le DLC payant qui sort demain. Alors ça dépend quand tu vois la vidéo. Mais il sort le 5 novembre, ou il est sorti le 5 novembre. Alors, un truc qui est marrant aussi, c'est que quand tu es en bateau, en fait, tu peux faire des expressions. Donc, tu peux taper dans les mains. Tu peux rire, tu peux faire style tapeur. Et je trouve ça assez drôle. Donc, en fait, tu appuies sur A, Y ou X et ça te fait une expression. Allez, on va voir. On va voir, Thibaut. Putain, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je range mon île. Ça là, faut que je le retire. Je l'avais fait pour le test pour aller dans les baignoires et tout. Alors, ils sont tous sur la place là, ils s'éclatent tous. Allez, on va voir le musée. On va voir ce que nous dit Thibaut. Donc la vidéo ne devrait pas être très longue. Comment se passe ta quête pour retrouver un certain volatile? Blablabla. Ce n'est pas assez clair, je veux parler de Robusto. Je l'ai trouvé. Je dirais même plus. Ou quelle bonne nouvelle, je t'écoute. Que t'a-t-il répondu? Il a dit entendu. Oh, je suis transporté de joie. Quel soulagement. Robusto est aussi concis que digne de confiance. Il devrait donc venir ici sans délai. Et donc, pour moi, cela signifie que. Oh, je dois immédiatement organiser son arrivée ici. Ouh, je n'ai d'autre choix que de fermer le musée aux visiteurs demain, le temps de terminer la construction. Si tout se passe comme prévu, après-demain, le musée réouvrira avec en sus un café. J'ose espérer que tu viendras nous rendre une petite visite à l'ouverture. Alors, évidemment qu'on va y aller. Donc, normalement, avec le café, on peut faire venir n'importe quel amiibo d'une carte amiibo.
Donc là, je vais en profiter pour mettre au mur le poster que j'ai acheté tout à l'heure dans la boutique. Et puis après, on va. Alors, où c'est qu'on va le mettre? Parce que c'est déjà pas mal le bordel. On va tâcher de le mettre là. On va voir ce que ça donne. Alors, poster d'œuvre d'art, pose au mur. Ah, ok. Oh, c'est sympa. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une seule œuvre d'art, en fait. Mais non, ça a l'air. Alors, c'est quoi? Poster de fossile. Ok. Ok. J'aime bien, c'est sympa. Ça. J'aime bien, perso j'aime bien. N'hésite pas à me dire si tu aimes ou pas. Un truc important aussi, la première fois que tu vas, après la mise à jour, quand tu vas en fait au... Oh, je vais pas y arriver. Quand tu vas voir Thibaut, il te donne en fait la photo de Robusto. Alors, je vais essayer de te la montrer. Je pense qu'elle est là-dedans. Avec mes autres photos. Donc là, tu vois un peu mon inventaire. Et voilà, il te donne ça. Il te donne cette photo-là. Donc je pense que tu peux personnaliser le cadre. Voilà, moi je trouve ça sympa. Ça fait une photo de plus, un perso de plus. Donc voilà, sa petite photo. Je vais faire du time travel pour après-demain. Là, comme tu le vois, je suis le 4 novembre. Donc je vais bouger jusqu'au 6. Et puis on va découvrir l'ouverture, du nouveau café. Donc ça y est, on est le 6 novembre et on va voir si Marie nous annonce l'ouverture du restaurant. Tout de suite, les annonces du jour. Aujourd'hui, notre musée célèbre l'ouverture de son café Le Perchoir. Robusto, le propriétaire, est certes peu bavard, mais son café ne manque pas de caractère. Notre conservateur Thibault m'a informé que le café serait ouvert 24 heures sur 24, comme le musée. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de pouvoir faire une véritable pause café. Donc, c'est trop cool. On va pouvoir aller dans ce café. Petite cérémonie aura lieu pour fêter cette bonne nouvelle en plus. Et plus on est fou, plus on rit. Allez, on va y aller. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Alors, comme vous l'avez vu depuis la mise à jour, on a plein de petites astuces qui s'affichent. C'est plutôt sympa, on apprend quelques petits trucs. Alors je pense que ça va être assez redondant, mais au départ je trouve ça sympa. Allez, on va au musée, on va voir ce qui se passe. Donc si toi aussi tu veux débloquer tout ça, suis bien voilà les mêmes choses que ce que j'ai fait, pardon. Regardez qui voilà, aujourd'hui est un jour marqué d'une pierre blanche, voire d'un café noir. Le musée d'Osmae a enfin la joie d'annoncer l'ouverture de son café. Il est illusoire de vouloir te remercier assez de nous avoir ramené Robusto, mais je peux tout de même essayer. Du bout de mes serres jusqu'au sommet de mes aigrettes, tout mon être te dit merci au lit. Mais sans doute brûles-tu de savoir où se trouve le café? Eh bien, c'est en haut des escaliers à gauche. Oh, et à l'instar de notre musée, le café est ouvert jour et nuit et Robusto est toujours sur le pont. Bref, que tu sois soifé de culture ou de café, profite bien de ta visite au musée. Bon, c'est un peu de l'esclavage. Alors, je sais pas ce que c'est cette borne, on ira voir après. Ah, donc, il y a déjà des persos, il y a 8, il y a 11 places. Allez, on va lui parler. Merci d'avoir fait passer mon message depuis cette île éloignée. Si un jour tu as envie d'un café, n'hésite pas à venir me voir. Alors, moi, il parle pas beaucoup. Hein. Si tu n'attends personne, viens donc t'asseoir au comptoir. Ok. Donc, on va s'asseoir là. 200 clochettes pour une tasse de café, ça te tente? Oui, s'il te plaît. Alors, perso, j'ai horreur de ça. Donc, le. Oh, excellent la cafetière. On dirait un tube dans lequel on faisait les expériences quand on était au collège ou au lycée. Allez, et voilà, une tasse de sélection de la maison. Bois ça, tu m'en diras des nouvelles. Oui.
ça a l'air d'être bon. Quel délice pour préparer le café parfait. Robusto est vraiment le meilleur. Alors, je vais essayer de faire venir un Non, ami. pardon. Beau, brou, merci beaucoup. Alors, je pense que ça doit être cette espèce de téléphone. Alors, centre d'appel Amiibo, bonjour. Tu peux utiliser l'Amiibo d'un personnage d'Animal Crossing pour l'inviter au perchoir. Veux-tu inviter un personnage maintenant? Oh oui. Prépare l'Amiibo du personnage que tu veux contacter. Alors, moi, j'ai une carte que j'ai prise au hasard. C'est. Alors, Naomi. Ok, ouais, ou Daisy en anglais. Veux-tu vraiment contacter ce personnage? On va dire oui. Alors, je ne sais pas si après on les fait venir ou on peut les faire venir sur l'île ou pas. Un instant, nous traitons ta demande. Merci d'avoir patienté. Nous avons contacté nos amis. Le personnage contacté ne devrait pas tarder. Attends-le à l'intérieur. Donc, il ne faut pas sortir en fait du café et elle devrait arriver. Donc, c'est un espèce de chien blanc avec. Ah, bah là, voilà. Alors, merci beaucoup de ton invitation. J'étais là si pressé d'arriver que je suis venu les mains vides. Eh bien, c'est pas grave ça. Hop là, on peut s'asseoir. Tu sais qu'il n'y a que nous deux qui sachions de quoi on discute ici. Nous deux et Robusto. Et tous ceux qui sont venus boire un café. Bon, on va dire qu'on est en plein débat public, mon chou. Bon bah c'est sympa, ça permet de voir en fait les amiibo des cartes sans forcément. Si l'envie te prend de me réinviter, sache que je ne refuserai pas une deuxième tasse, mon chou. Voilà, ça permet en fait de voir ce que donnent les amiibo dans le jeu, même si on les fait pas venir au camping ou qu'on les fait pas venir. Ou qu'on les voilà, ou qu'ils habitent pas sur notre île. Le perchoir, café ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça y est, on a bu notre première tasse de café au perchoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la musique, le petit pouce bleu pour le like, tu commentes et surtout tu t'abonnes à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Animal Crossing 2.0. Bye.